de Digne les Bains, les armoiries de Digne les Bains se blasonnent ainsi, d'azur à la fleur de lys d'or, accompagnée en chef d'une croisette de gueule, au flanc de deux lettres et L capital, affrontées d'argent, et en pointe d'une lettre D capitale, aussi d'or. La ville de Digne les Bains a une histoire qui remonte à la période gauloise, à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, nommée Digna. Elle est constituée comme chef-lieu de la civita des sous l'Empire romain. Son nom évolue ensuite assez peu, jusqu'au changement de nom Verdigne les Bains, en 1988. Au Moyen Âge, elle est le siège d'un évêché, la présence d'une sénéchaussée renforçant son rôle administratif, qui est confirmée à la Révolution française, lorsqu'elle devient le chef-lieu du nouveau département des Basses-Alpes dont elle est toujours préfecture. En 1862, trois communes voisines lui sont rattachées, Courbon, Gobert et Lesseilly, puis Digne s'agrandit encore en 1974, avec les Dourbes. Préhistoire. Dès la préhistoire, les hommes se sont installés à l'emplacement actuel de Digne. La présence de trois rivières, la Bléone, le Mardaric, et les eaux chaudes, en a fait un endroit idéal pour l'implantation humaine. Avant la conquête romaine, elle est la capitale des Bodiontici, ou Brodionci, dont le nom est retrouvé sur le trophée des Alpes, à la Turbie. Antiquité. La ville devient une cité romaine nommée Digna au 1er siècle, puis Digna en 780, appréciée pour ses eaux thermales. On retrouve quelques établissements ruraux tout autour de la ville comme aux hôtelleries de Gaubert, sud-est de la ville, où le bâtiment fouillé est occupé du début du 1er siècle, à la fin du 4e siècle. Dans ce secteur, au pied du Cousson, le sol a été cultivé de façon continue depuis l'Antiquité jusqu'au reboisement récent. Moyen-Âge, au Moyen-Âge, au 6e siècle, des fortifications sont élevées sur deux hauteurs de la ville, afin de résister aux invasions barbares. Deux quartiers distincts se forment, le bourg et la cité. Le bourg, site antique, se voit doublé d'un castrum autour du château épiscopal, construit sur le rochat. Ces deux quartiers fonctionnaient comme deux villes indépendantes l'une de l'autre, et ce dès leur création, le bourg restait sous la tutelle du prévôt du chapitre, alors que la cité ou castrum relevait de l'évêque. Moyen Âge classique. L'arrivée des angevins à la tête du comté de Provence en 1246 accélère le processus de récupération des droits comptaux usurpés pendant la période précédente par les seigneurs laïques ou ecclésiastiques. Ainsi Charles Ier, comte de Provence, fait établir un paréage à Digne en 1257, et prend sous sa tutelle la cité, l'évêque voyant ses droits restreints, ses seigneurs prélevaient des péages, L'un à Digne, et l'autre à Gobert, sur la route rejoignant la vallée de l'As, dans le troisième quart du XIIIe siècle, entre 1250 et 1274, une maison des frères du Sac s'implante à Digne, avant de devoir fermer peu après, lorsque l'ordre est dissous. Le retour du pouvoir comtal dans la cité entraîne une modification dans les rapports entre pouvoirs locaux -co et communautés, en 1260. La cité de Digne se voit reconnaître le droit de nommer des communaux chargés de veiller à la gestion de la ville. De même, la présence de consuls est attestée au bourg, manifestant clairement la séparation des deux lieux de peuplement. Le regroupement des deux sites se fait administrativement en 1385, lors de l'institution de syndic, remplaçant les communaux, chargés de représenter à la fois la cité et le bourg. L'évolution de l'institution permet d'observer une rationalisation administrative au début du XVe siècle. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Dura, contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Digne soutient les Duras jusqu'au 18 septembre 1385, puis change de camp pour rejoindre les Angevins, grâce aux négociations patientes de Marie de Blois, veuve de Louis Ier, et régente de leur fils Louis II. Le seigneur de Courbon, Jean isoard également seigneur d'Entrage, se rallie aux Angevins, en juillet 1386. Bas Moyen Âge, une épidémie de peste touche la ville de septembre 1451. À juillet 1452, à partir de 1475, la prédication des franciscains provoque plusieurs émeutes anti-juives meurtrières. Ces meurtres, pillages et les départs qu'ils provoquent font passer la communauté juive de digne de vingt feux, soit plus de 100 personnes en 1468, à trois seulement en 1493. Époque moderne, 16e, 17e. Et 18e siècle, comme le reste de la France, digne et éprise dans les guerres de religion. Dès 1562, les Huguenots pénètrent dans la cathédrale, lacèrent les tableaux et brisent les statues, retirent les reliques, et les font voler avec les ornements du cœur sur le parvis. Elle est attaquée par les protestants en 1574. En 1575, c'est l'église Saint-Jérôme qui est saccagée. Dans les années suivantes, la ville reste sous pression. En 1579, c'est le capitaine d'Arcal qui occupe les campagnes alentour. En 1589, à l'avènement d'Henri IV, les ultra-catholiques de la Ligue catholique prennent le pouvoir dans la ville jusqu'en 1591. Cette année, la ville tombe devant les armées royales de lesdiguières La cathédrale est fortifiée et attaquée. Elle est bombardée avec des catapultes, puis prise d'assaut. C'est aussi pendant cette période que les habitants s'emparent du château des évêques, sur le rochat, et le détruisent, pour éviter qu'il ne tombe aux mains d'un parti, ou de l'autre. Digne et touché par une épidémie de peste, 1629, qui fait tomber la population de la ville de 10 000 à 1500 habitants, l'épidémie revient en 1631. Le fief de Gobert est érigé en marquisat en 1717. Un bureau de la poste royale est installé à Digne, à la fin de l'Ancien Régime. Époque contemporaine Révolution française et Premier Empire, et Monarchie constitutionnelle. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement. Cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobilières. Cette grande peur, arrivée à Seine le 31 juillet, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Digne et sa région le 31 juillet 1789, dans la journée avant de se propager verrier, où elle arrive dans la journée, Moustier et Castellane. La ville est érigée en chef-lieu des Basses Alpes et de district dès mars 1790, à la création des départements. La société patriotique de Digne est créée en septembre 1790, deuxième du département par son ancienneté, elle s'affilie aux Jacobins en juin 1791 et devient un relais de ce club dans le département en acceptant les affiliations de nombreux clubs des Basses-Alpes. Elle reçoit aussi la demande d'affiliation de celui de Carpentras. D'abord appelée Chambrette bourgeoise, elle prend ensuite le nom de Club Patriotique, puis le 9 octobre 1792, de Société des Amis de la Constitution, de la Liberté, de l'Égalité. Elle établit un comité de correspondance, chargé des relations avec les autres sociétés populaires, qui lui sont affiliées, le 14 novembre 1792. Les 10 et 11 janvier 1793, le général Perron effectue une descente depuis Marseille, soutenue par des clubistes marseillais en armes. Il se venge, car il n'a pu obtenir le poste de procureur général syndic. Deux administrateurs départementaux sont destitués, et une amende de 13 000 livres est versée au club marseillais. La Convention. En 1792-1793, la section de Digne est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet, qui se traduit par une condamnation à mort à Digne, l'arrêté du 9 juillet 1794. Désigne digne comme lieu de rassemblement des prisonniers de guerre, fait par l'armée d'Italie, avant leur répartition dans le reste de la France. Le 5 Frimaire en trois le représentant en mission Gautier, et épure la société. Consulat et premier empire. Digne accueille la préfecture sous le consulat. Le préfet Lamette, très populaire, 1802-1805, crée une promenade ombragée, entre le pré de Foire et les rives de la Bléone. Et plante des platanes sur le boulevard Gassendie. Napoléon Ier passe à Digne au début des 100 jours, lors du vol de l'aigle entre sa prison de l'île d'Elba et Paris. Second Empire. En 1851, l'annonce du coup d'état du 2 décembre provoque un soulèvement dans les campagnes, et les paysans installent un gouvernement provisoire à Digne. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 52 habitants de Digne sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Les communes voisines ont aussi pris part à l'insurrection, et les habitants sont eux aussi poursuivis et condamnés. En 1862, Digne absorbe les communes voisines de Courbon, Gaubert et Les Siey. Comme de nombreuses communes du département, Digne se dote d'école bien avant les lois Jules Ferry. Cependant, aucune instruction n'est donnée aux filles en 1861, alors que la loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants, et que Courbon et Gaubert, petites communes rurales voisines, ont une école de filles. Ce n'est que dans les années 1860, que la municipalité de Digne choisit d'ouvrir une école de filles, à laquelle s'ajoutent les écoles de filles de Gourbert et de Courbon. Ce n'est qu'avec les lois ferries que toutes les filles de Digne et des villages rattachés sont régulièrement scolarisées. Outre ce délai avant la scolarisation des filles, la commune traite différemment filles et garçons dans d'autres domaines. Si elle emploie un agent communal pour le nettoyage des salles de classe des garçons, ce sont les filles qui balayent leur salle de classe. Le maire se justifie en disant qu'il faut initier les jeunes filles aux travaux du ménage, le balayage faisant partie de leurs attributions. Si l'existence décollée relativement précoce, la commune se contente de louer des bâtiments inadaptés, décrépits, dont les portes ferment mal, ou trop petites, une salle de 30 mètres carrés pour 22 élèves. Ce n'est que dans les années 1880. Que des bâtiments d'école satisfont aux nécessités de l'enseignement. La première salle d'asile, école maternelle, ouvre à Digne en 1842. En 1862, Digne absorbe les communes voisines de Courbon, Gobert et Lessilles. Ces communes rattachées possédaient elles aussi leurs écoles. Les trois avaient une école de garçons, Courbon et Gobert possédant en outre une école de filles. La commune des Dourbes possédait deux écoles de garçons, aux Dourbes et au Villard, et aucune de filles. La Troisième République, au XIXe siècle, la ville est alimentée en vin par les communes voisines, Aiglin, Courbon, Lessey, vignoble de 110 hectares, Malmoisson, mais aussi tantrage, qui fournissait le vin pétillant de Chabrière, malgré le phylloxéra. Le vignoble occupe encore plus de 800 hectares en 1880, mais en complantation. Les vignes terres ou terres-vignes sont plantées en allée, et à environ seul le quart ou le tiers de ces surfaces étaient réellement plantées en cèpe. La vigne était parfois complantée d'oliviers, mais seulement jusqu'aux altitudes de 700 à 710 mètres, au haut de CI, terroir de 17 hectares, sur les versants favorables l'olivier étant plus sensible au gel que la vigne. L'huile d'olive de digne était aussi produite à Aiglin, Bara, Malmoisson, mais aussi des communes plus éloignées comme Bradas, Estoublon, Maisel. Le bassin viticola des Péri, touché par la crise du phylloxéra, et concurrencé par des vins plus agréables et moins chers, du Languedoc et de Basse-Provence. Le vignoble de digne, planté à 82% d'hybrides, Devenu médiocre, pulvérisé en de minuscules exploitations, moyennes de 16 ne disposait pas des conditions techniques pour perdurer. Inversement, l'olivret a subsisté, certes à l'état de relique, avec seulement 1613 arbres en 2005. Première Guerre mondiale, 210 dignois sont morts pour la France. Durant la première guerre mondiale, l'hôpital a pris en charge des soldats blessés par les combats dont près de 70 décédés des suites de leurs blessures sont inhumés au carré militaire du cimetière du bourg ce carré comporte aussi le corps de deux soldats morts durant le second conflit mondial seconde guerre mondiale la drôle de guerre en vertu de la loi du 18 novembre 1939 un centre d'internement ouvre à digne destinée à accueillir une compagnie spéciale de passage pour militaires potentiellement dangereux pour la défense nationale, cette compagnie stationne à la caserne des Mixel, actuel hôtel de ville, les militants communistes et syndicalistes du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches du Rhône y sont envoyés. La campagne de France et l'armistice. Dans les Basses-Alpes, la guerre ne commence que fin juin. Avec l'attaque italienne qui n'avance que très peu, mais l'armistice de Villa Incisa, signé le 24 juin à Rome, impose la démilitarisation d'une bande de 50 km à partir de la frontière franco-italienne, ligne violette. En conséquence, le 20e bataillon de chasseurs alpins doit prendre garnison à digne. De plus, le territoire en arrière de cette ligne violette est inspecté par la SIAF. Commission italienne d'armistice avec la France, qui cherche à localiser les lieux où sont stockés les armements français, afin d'empêcher un éventuel réarmement de la ligne Maginot, en cas de reprise des hostilités. Ces inspections sont contrées par l'opération de camouflage des armements ou de conservation des armements. Le régime de Vichy, les premiers résistants sont un groupe organisé autour de Simone Pellissier qui distribue le journal Combat, dès 1941. Le 1er mai 1942, elle dépose une gerbe au monument aux morts, au cours d'une manifestation, elle est arrêtée dès le lendemain, avec six autres manifestants. Les occupations italiennes et allemandes. Digne est occupée par l'Italie de novembre 1942, après le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Des unités de la 4e armée occupent la région, dont la division Pusteria Digne. Lorsque l'armée italienne se retire en septembre 1943, l'armée allemande prend immédiatement le relais. Dans la région, c'est la 148e division d'infanterie de réserve qui est présente et installe une commandant tour à Digne, avec des effectifs de 792 hommes. Avec la dissolution de l'armée d'armistice. Le commandant Chaumont du 20e bataillon de chasseurs alpins commence à structurer l'organisation de résistance de l'armée locale, l'occupation déclenche le renforcement des actions de la résistance, la façade du journal collaborateur l'éclaireur est la cible d'un attentat perpétré par combat, puis le service allemand de placement des ouvriers français dans les usines d'Allemagne, dès le 10 novembre 1942, pendant toute la guerre. 34 juifs sont arrêtés à Digne avant d'être déportés. Le 1er mai 1943, des locomotives sont sabotées par la résistance. La libération. Le 16 août 1944, la ville est bombardée par des P-47 Thunderbolt, qui ont décollé d'un terrain proche de Bastia en Corse. Leur objectif est le grand pont de Digne, traversant la Bléone. Mais une seule bombe atteint le pont. N'entravant que pour quelques heures le passage des véhicules, plusieurs immeubles sont endommagés. Le bombardement fait 24 victimes civiles, et deux tués allemands, 25 au total selon Jean Garcin. La ville est libérée le 19 août 1944, par la Task Force Butler, détachement motorisé composé d'éléments blindés, d'infanterie et d'artillerie, provenant des 36e Division d'Infanterie du Texas, et 45e division d'infanterie US, aidée des forces de la résistance. Les premiers accrochages ont lieu en milieu de matinée à Châteauredon, à l'endroit où la voie de chemin de fer traverse la route départementale. Au moment où la colonne blindée s'approche, les Allemands tirent de leur position surplombant la route. Ils décrochent ensuite vers le village, où ils sont pris à partie par les canons des blindés. Certains sont faits prisonniers dans le village. D'autres dans la chapelle, d'autres se replient vers la clu de Chabrière et engagent le combat avec des résistants. La progression de la colonne continue vers Digne sans résistance. Au niveau des féréoles, les soldats investissent l'hôtel de l'Ermitage, quartier général de l'armée allemande à Digne, et capturent le général Schubert commandant la place. Ayant miné et fait exploser les arbres longeant la route, les Allemands retardent pour un temps la colonne au férool. Après avoir tenté de progresser le long de l'Abléon, l'attaque est menée par l'avenue du lycée, qui est transformée en 217e hôpital de campagne, par la Wehrmacht. Devant la résistance rencontrée en différents points dans le centre-ville, et l'impossibilité de manœuvrer avec les blindés, du fait de l'étroitesse des rues, les Américains décident de bombarder la ville par des obusiers M7 Priest, en position à Gobert. Une seconde colonne blindée ayant progressé par oraison, et maligée envoyée en appui de la première, entre dans Digne par la route de Malmoisson et nettoie les différentes poches de résistance allemande, notamment le dépôt de carburant de la Tour, puis progresse vers le centre-ville par la rive droite de la Bléone. En fin de journée, après les derniers combats, la garnison se rend aux forces américaines qui font près d'entre de, 600 prisonniers et 800 prisonniers, dont le général Schubert, chef de la Feldkommandantur. La libération de Digne s'inscrit dans un mouvement de contournement de la vallée du Rhône, à travers les Alpes, par la route Napoléon, confiée à la Task Force Butler, et qui vise à couper la retraite à l'armée allemande stationnée en Provence. À aspre sur buèche la colonne fait mouvement vers l'ouest en direction du Rhône et de Crest, bataille de Montilimar. Les combats font dans la journée situés et 11 blessés du côté allié et au moins 21 tués du côté allemand. Les soldats allemands tombés durant les combats pour la libération de Digne-les-Bains ont été enterrés au carré militaire allemand du cimetière du Bourg, auprès des autres soldats tués durant l'occupation au cours de différents combats contre les forces de la résistance. En mars 1958, leurs corps sont exhumés et transférés au cimetière militaire allemand de Dagneux, dans l'Ain. Le 20 août 1944, un défilé a lieu, et replace solennellement l'effigie de la République, au rond-point du colonel payant. Immédiatement après la libération, l'épuration commence. Des exécutions après procès expéditif, avec juge, mais sans avocat, ont lieu. Le camp de prisonniers de guerre allemand compte jusqu'à 2700 prisonniers. L'un d'eux participe à l'expédition de sauvetage, après la double catastrophe aérienne de la montagne du cheval blanc, en 1948. À partir du début de l'année 1945, de nouveaux convois de troupes passent par la ville en direction de la poche de résistance allemande de l'Ubaï. Un camp de prisonniers de l'Axe est établi à Digne sous le numéro de dépôt 157, jusqu'à 2700 militaires y sont emprisonnés. Depuis 1945, en 1974, la commune voisine des Dourbes est rattachée à Digne. La commune change de nom, pour Digne-les-Bains, en 1988. De nos jours, la ville de Digne-les-Bains continue de s'étendre, principalement le long des rives de la Bléone. Elle forme avec entrage, Marcou, la Robine-sur-Galabre, et Mézel, la communauté de communes des Trois-Vallées. Les cités du Pigeonnier et de Barbeja sont classées zones urbaines sensibles.